Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui commence. Nous sommes allés à l'incontournable rendez-vous du début de saison, le Motocross International de Valence, durant lequel nous avons suivi le jeune Timothée Berry qui va quasiment faire un week-end parfait. Timothée, au guidon de sa KTM Starter Moto 71 et préparé par EHR, va nous montrer une belle technique et une belle vitesse dans des conditions apocalyptiques. La pluie a rendu le terrain très compliqué. Timothée va être constant durant tout le week-end en trustant les premières places aux essais libres et chrono. Lors de la première manche, gêné par son masque, il fera une petite faute qui le fera pointer à la 15e position au premier tour, mais il va faire une belle remontée et termine à la 4e place. Pour la seconde manche, cela sera plus simple. Il fait le hole shot et mène de bout en bout cette manche. Un autre pilote lui mettra un peu la pression durant la moitié de la manche, mais Timothée, bien sur sa moto, ne flanchera pas et c'est l'autre pilote qui commettra la faute, laissant le champ libre à Tim pour gagner cette manche. Il finit deuxième de cette épreuve à cause de cette petite erreur en première manche. Le travail de cet hiver avec son coach Thibaut Muni a vraiment payé. Prochain rendez-vous pour lui et aussi pour nous, l'ouverture du championnat de France Espoir à Saint-Jean-d'Angély le 28 février. Merci à vous de nous suivre. Ciao ciao, salut, bye bye.